Hello tout le monde, c'est Yacine. Aujourd'hui, on va parler du film Chaos de Fabrice Gobert. Fabrice Gobert, connu notamment pour la série à succès Les Revenants, revient ici avec un thriller sur les jeux de pouvoir. L'histoire. Antoine Lecomte est un homme de pouvoir, arrogant et dominateur, aussi bien dans sa vie professionnelle que privée. Lors d'une journée particulièrement éprouvante, il est plongé dans le coma. À son réveil, plus rien n'est comme avant. Tout d'abord, un soin particulier a été apporté au décor, afin de donner la sensation d'être entre rêve et réalité. Je pense à deux lieux en particulier, le commissariat et l'hôpital, qui sont vraiment des lieux atypiques. Après son coma, Antoine se retrouve dans un monde très familier et à la fois très différent de ce qu'il connaît. C'est ce décalage angoissant qui le fait douter de la réalité. Habile. Rien dans la mise en scène ou la narration ne permet de démontrer que nous sommes dans le réel ou le rêve. Ce qui n'est pas du tout gênant pour apprécier le film, au contraire, ça rappelle l'excellent Mulholland Drive de David Lynch, notamment par le biais des fantasmes et par l'avidité de ses personnages. Antoine n'est plus à sa place, et dans sa recherche de vérité, il va faire face aux bassesses de ses collègues et au déclassement. Le déclassement, c'est en sociologie le fait de descendre l'échelle sociale. Concernant la mise en scène, on trouve de nombreuses bonnes idées, notamment la multiplicité des miroirs qui renvoie à l'image qu'Antoine a de lui-même. Également, en termes de transition, il y a de bonnes trouvailles, je pense par exemple à la scène du logo qui est lumineux. La musique également participe au désarroi d'Antoine, avec ses montées vers les aigus et ses accélérations brutales. Selon le film, le milieu fréquenté tend à définir l'individu. Dans ce cas, on peut se poser la question, est-ce qu'il mérite ce qui lui arrive ? Seul point négatif, après une première partie excitante, le film perd un peu de son souffle en seconde partie, avant d'en reprendre par la suite. Si vous avez aimé Chaos, je vous invite à regarder Ne le dis à personne de Guillaume Canet, un thriller également empreint de jeux de pouvoir. Voilà, je vous remercie de regarder cette vidéo, je vous invite à liker, partager et me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film. On se retrouve très vite, salut !